Conrad. Le jeu en triangle, nouvelle frappe, celle-ci est cadrée et en deux temps, il sauve la baraque. Deux bonnes interventions, particulièrement celle-ci déjà pour Mandanda. Ouais, très bonne intervention, il est bien placé, il ferme bien son premier poteau. Duel remporté par Kadi, Wadji. Wadji en solo, Wadji qui tombe, sorti de Mandanda qui l'a un peu percuté aussi, l'attaquant. Très bon retour de la part de Balerdi suite à cette perte de balle de Luan Perez au milieu de terrain. On le voit en une passe, hein, Wadji. Ayramov qui peut centrer à son tour. Et Mandanda qui capte. Posément fait tout ça. Ozobic dans la course de Wadji et encore un tacle. De Balerdi, heureusement pas considéré comme une passe au gardien au passage. Attention à Meydanov qui est servi et Mandanda de l'autre côté de l'équipe à l'image de Milik est décisif lui aussi. Il est expédié et boxé par Mandanda, repris par Andrade, ça ricoche. Le long déplacement jusqu'à Bakou. Ce ballon un peu court en retrait, heureusement que Mandanda est vigilant, comment se mettre en danger tout seul. Là, c'est... Il a fallu encore une très belle lecture du jeu, une bonne anticipation. Le deuxième cadeau. Quel dribble en râteau de Zoubir qui joue avec Wadji qui n'est pas hors jeu. À sa droite, il y avait Kadi. Il a choisi la frappe. Et c'est Mandanda qui la sort. Quel arrêt formidable. La double intervention incroyable de Mandanda après une double erreur de Milik dans ses choix, dans ses passes. Là, l'envolée de Steve, elle est juste incroyable. Disponible. Ça commence par des râteaux comme d'habitude. Puis ce ballon en retrait. Le drapeau se lève, mais au passage, encore un réflexe de très haut niveau signé Mandanda. Ah oui, ça là, c'est clair encore une fois, même si le drapeau s'est levé. Après, encore une fois, ce bon travail de Zoubir, centre en retrait.